Salut! Bienvenue aujourd'hui pour fabriquer un tableau noir. Non, c'est une blague. C'est un tableau noir doublé d'une porte avec double fond. Alors, venez voir. Voilà de quoi ranger plein de bazar, le mettre à l'abri. Et c'est aussi l'occasion, parce que c'est une fabrication toute simple, toute bête, c'est aussi l'occasion de faire une fabrication sans la moindre vis, juste avec de la colle. Avec de la colle polyuréthane que j'utilise un peu tout le temps. Alors là, c'est de la colle polyuréthane qui vient de chez Wurt, mais vous en trouvez dans toutes les marques, n'importe laquelle fait l'affaire. C'est une colle qui a la particularité de gonfler et d'assurer un collage très rapide et très puissant. L'ensemble de ce meuble est fait sans une vis, sans un clou, ou quasiment sans aucun clou, juste avec de la colle. Et on va faire ça ensemble. Allez, en avant! La colle polyuréthane a quand même quelques inconvénients, c'est-à-dire qu'elle gonfle. C'est ce qui fait qu'elle colle et qu'elle colle bien, mais il faut ébavurer toutes les
toutes les bavures de colle. Et il ne faut pas tarder pour faire ça. Il faut faire ça en gros le lendemain ou une demi-journée plus tard. Mais il ne faut pas tarder parce que ça va durcir vraiment fort. Ça assure un collage formidable, mais il faut quand même suivre derrière. Donc c'est parti pour un petit peu d'arrasement. On enlève des petites peluches comme ça. C'est assez simple à faire, mais il ne faut pas oublier de le faire. Et voilà, encore une. Le chromate noir, ça fait pas des bons tableaux noirs. Il va falloir que je mette de la peinture. Mais en dehors de ça, le petit bricolage est fini. Ma porte de frigo ou ma porte de placard à double fond. Le petit aimant que j'ai mis là-haut, il est limite pas assez puissant. Mais bon, pour l'instant, ça tient. Il n'y a plus qu'à ranger plein de choses dedans. Allez, à bientôt pour de nouveaux films. Ciao !